κύριο μέρος της εκδήλωσης και θα αρχίσουμε με την ομιλία του καθηγητή Ζάμερεκ Ζιγκέλ. Σας το παρουσίασε η κυρία Δελιβάνη προηγουμένως. Με κάθε 5 με 6 λεπτά θα μιλάει, θα διακόπτει και θα μεταφράσει η κυρία Καρολίν Λουίτσι. Αλλό, πώς θα πέρα πάρω το φράγμα. Καλησπέρα. Malheureusement, excusez-moi, mais je ne parle pas grec, donc je vais parler en français. Il y aura quelques éléments qui seront traduits. Tout d'abord, je voudrais remercier Mme Delimani pour m'avoir invité à discuter devant vous de la place du peuple dans le processus de création d'une nouvelle constitution. Alors avant de commencer, je voudrais aborder ma thématique avec une citation du général de Gaulle pour comprendre ce qu'est une constitution et ce que n'est pas une constitution. Alors le général de Gaulle disait qu'une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Et, Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διαμελώντες που με κάλεσαν και θα αρχίσω με κάποια λόγια του De Gaulle, σύμφωνα με τον οποίο ένα σύνταγμα είναι ένα πνεύμα των θεσμών, μια πράξη. Donc, la constitution, c'est aussi un esprit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle constitution, toute belle, et on le voit en France, on a eu 15 constitutions entre notre révolution et puis 1958. Donc 15 constitutions avec à chaque fois un texte qui a pu évoluer vers autre chose parce que l'esprit était plus fort que le texte constitutionnel. Alors maintenant, pour recentrer le débat, avec l'expérience française, avec nos 15 constitutions, on s'aperçoit qu'on a eu trois modèles de création, d'établissement d'une nouvelle constitution. On a eu le modèle monarchique, où c'est le roi qui accorde la constitution au peuple. Ça, c'est complètement impensable de nos jours. Deuxième mode, c'est le mode semi-démocratique, en ce sens où le pouvoir exécutif, et on a eu le cas de Napoléon Bonaparte, général de Gaulle, rédige la constitution, prépare la constitution et la soumet au peuple. Et le peuple accepte la constitution, mais aussi accepte le pouvoir, le retour au pouvoir du général de Gaulle, ou accepte l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. Et puis, le troisième modèle, c'est le modèle véritablement démocratique qu'on a eu pleinement en France en 1946. Le peuple élit une assemblée qui est chargé de rédiger une constitution, et une fois le travail terminé, cette constitution est soumise au peuple par voie de référendum, et le peuple accepte ou pas l'œuvre qui a été accomplie par cette assemblée. Et en 1946, il y a eu deux référendums, puisque la première fois, le peuple a rejeté le référendum, et ce n'est que la seconde fois qu'il a accepté le texte. Je vais laisser un peu la traduction se dérouler. Το Σύνταγμα της Γαλλίας έχει αλλάξει 15 φορές από την πρώτη εκδοχή του το 1791 μέχρι το 1958, όπου διακρίνονται τρία μοντέλα. Το μοναρχικό μοντέλο, όπου ο βασιλιάς παραχωρεί ένα σύνταγμα στη χώρα, αυτό έγινε το 1814 και 1830. Το ημιδημοκρατικό μοντέλο,